game. Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je suis Stéphanie Gendard, je suis la directrice exécutive en charge des services technologiques chez Accenture en France et je suis aussi le sponsor des initiatives inclusion et diversité au sein du comité de direction Accenture France et Benelux. Alors, on est aujourd'hui ensemble pour à peu près une heure pour parler d'inclusion. Et depuis 2009, chez Accenture, l'inclusion, la diversité, on considère que ce sont des facteurs clés de notre développement. Et on s'engage pour un environnement de travail plus ouvert, inclusif à tous, et en particulier aux personnes LGBT+, pour leur permettre d'être authentiques au travail. Et cet engagement, on l'a concrétisé en 2013, avec la signature de la charte de l'engagement LGBT+, qui était lancée par l'autre cercle et qu'on a signée avec 7 autres entreprises. Et dans la foulée, on a lancé tout un ensemble d'actions pour prévenir les risques de LGBT-phobie au sein de notre environnement de travail. Et on a sensibilisé, on a donné de la visibilité à nos talents et puis aussi donné de la visibilité auprès des étudiants. Et puis travailler avec nos clients et partenaires. Et on pourrait se dire qu'aujourd'hui, parler d'orientation sexuelle et puis d'identité de genre en milieu professionnel, c'est un acquis. On pense que ça reste un sujet d'actualité, un sujet d'entreprise. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits en France, mais beaucoup d'études qui montrent aussi qu'il y a encore beaucoup de difficultés. Et un des baromètres de l'autre cercle disait une personne LGBT sur 4 se dit avoir été victime au moins une fois d'une agression LGBT-phobe dans son travail. Donc aujourd'hui, on a une demande d'authenticité qui est de plus en plus forte, de respect. Et le thème de notre table ronde avec les quatre invités que je vais accueillir va être comment être authentique au travail devient un levier d'innovation aujourd'hui et d'engagement dans l'entreprise. Alors je vais rejoindre nos quatre invités. Bonjour à tous. Alors, j'ai avec moi Christine Lamoureux-Rabret. Alors, vous êtes directrice diversité du développement RH chez Orange Innovation. Bonjour. Catherine Tripon, vous êtes porte-parole de l'autre cercle et directrice des relations aux parties prenantes et de la fondation Agir contre l'inclusion. Wissem Belgacem, alors vous êtes un ancien footballeur professionnel, CEO et founder de On Track Sport. Et puis, vous êtes aussi l'auteur de Adieu ma honte, publié chez Feria. Et puis, Olivier, tu es le président de Accenture France et Benelux. Bonjour à tous. Alors, comme je le disais, l'inclusion dans le travail a évolué dans les 10 dernières années. Comment vous, Christine, Catherine, comment est-ce que vous le percevez ? Si ça fonctionne. Catherine, je prends la parole sur la dimension opérationnelle, peut-être vue d'une entreprise. Alors, Stéphanie, vous l'avez rappelé, il y a cette historique de la signature de la charte de l'autre cercle. Nous, chez Orange, on est mobilisés depuis 2008 sur l'ensemble des sujets de diversité. Et c'est vrai que moi, je pense que ce sont les salariés qui en parlent le mieux. Et je vais peut-être partager avec vous quelques chiffres qui sont issus de notre baromètre salarié 2020, où on a plus de 75 000 salariés qui ont répondu. Donc, on peut considérer qu'on est sur quelque chose d'assez significatif en termes de statistiques. Tout d'abord, on a 91% des salariés qui disent qu'ils sont fiers de travailler chez nous. Et puis, si on décline un petit peu plus, on se rend compte qu'il y en a 88% qui pense que les salariés d'Orange représentent la diversité de la société. Alors pourquoi je parle de ça? C'est que je pense qu'il y a un vrai sujet aujourd'hui, une porosité entre la société, l'entreprise, et que c'est clé pour nos clients,
pour nos salariés, pour nos parties prenantes, que l'on puisse se retrouver finalement dans l'entreprise comme si on était dans la société. On se mobilise au travers de beaucoup d'actions, de prises de parole. On a par exemple des rôles modèles LGBT qui interviennent en interne et qui font de la pédagogie dans le cadre des missions qu'on appelle « décryptage » et qui vont aller s'adresser à l'ensemble des salariés par des webinaires, des conférences, qui vont expliquer ce que c'est qu'être LGBT, QIA+, etc., parce que ce n'est pas toujours évident de s'y retrouver, qui vont aussi s'adresser à nos salariés comme des potentiels parents qui ont des enfants qui sont trans, homo, ou qui se cherchent dans leur identité sexuelle, et les aider à aborder cette question-là, parce que finalement, il y a aussi cette dimension-là. Bon, voilà, donc ce sont pas mal de mobilisations, je ne vais pas monopoliser la parole, mais c'est vrai que on se rend compte, au-delà de ce que nos salariés disent hein, dans ce baromètre, que c'est important de les accompagner dans leur compréhension, mais aussi les rassurer dans le fait qu'on peut être soi dans l'entreprise et qu'on sera accompagné, soutenu dans certaines situations si nécessaire. Merci Christine. Alors, moi, je vais apporter un regard complémentaire sur... ça fait 24 ans que l'autre cercle existe. Et comme tout changement sociétal, il y a des vagues. Et une vague flat, totale, où on a défriché, ramé aussi, pour on a produit, c'était pas un sujet. Puis, il commence à avoir une petite pointe, voilà, avec quelques acteurs engagés, souvent d'origine anglo-saxonne. On commence à bouger le système. Et quand, effectivement, l'initiative d'Accenture, on se retrouve en 2012 avec quelques entreprises... réfléchir à un outil qui permette de mettre le sujet sur la table, et vient l'idée de cette charte, qui n'est pas une signature de confort, loin s'en faut, et les derniers signataires vous le confirmeront. Mais voilà, la question, on ne parlait pas du tout d'inclusion à l'époque. On parlait de diversité, promotion des diversités, comment gérer les diversités qui s'opposent, parce que bien évidemment, la question de l'orientation sexuelle, on ne parlait pas encore de l'identité de genre dans les discours de la loi, déjà heurtait beaucoup les personnes en raison de leurs convictions religieuses, de leurs convictions personnelles, et c'était compliqué à gérer. Et puis après, on a eu une vague de début, effectivement, à l'initiative avec les premiers signataires autour d'Accenture, voilà, et Orange en a fait partie, IBM, voilà. On a commencé à avoir un noyau d'entreprise très engagé, mettant sur la table un sujet qui est encore compliqué. 2010, 2015, on commence à voir, moi je vois aujourd'hui une vraie évolution. Le mot d'inclusion est arrivé, parce que la diversité, si vous avez segmenté des groupes d'individus issus de minorités côte à côte sans qu'il y ait d'inclusion, ça ne marche pas. Donc on s'est bien rendu compte qu'à un moment donné, si on voulait faire quelque chose de durable, il fallait changer le modèle de pensée des collaborateurs, le modèle de pensée des dirigeants et des dirigeantes. Et là aussi, on a un vrai problème de représentation des différentes catégories en fonction de leur solidarité à la tête de nos organisations, à commencer finalement par les femmes, mais pas seulement. Donc il y a tout ce mouvement général qui a joué, plus une affirmation identitaire très forte des jeunes générations. Et c'est elle qui a bousculé le système. Indépendamment des lois qui ont rendu incontournable la question de la discrimination vis-à-vis des gays, lesbiennes, bi et trans, mais la société, les reportages, les documentaires, et puis l'affirmation de droit, les votes de droit, le PACS, puis l'extension du mariage aux couples de même sexe, puis la question effectivement de l'adoption qui est encore compliquée avec le statut de beaux-parents, mais la reconnaissance de la question de la parentalité dans les entreprises un peu engagées. L'administration s'y est mise aussi. La charte a contribué parce qu'elle est très pragmatique et elle touche aussi bien des collectivités, de familles politiques différentes, des établissements d'enseignement supérieur et des entreprises, plus des ONG. Mais tout ce mouvement-là fait que c'est incontournable aujourd'hui. Sont arrivés les ODD, Objectifs de développement durable. La question de la RSE, responsabilité sociale des entreprises et des organisations, si on parle de RSO, qui fait qu'à un moment donné, la question des droits humains ne peut plus se distinguer entre ce qui relève de l'évidence, ce qui relève du politiquement correct, ce qui relève de négociations dans le cadre des partenaires sociaux avec des critères définis et des pénalités financières, mais que c'est un tout. Et que la question des singularités, d'avoir des collectifs de gens très différents, c'est certes moins facile à diriger au démarrage, mais c'est beaucoup plus intéressant parce qu'un plus riche, je disais encore hier dans une intervention avec un nouveau grand signataire, que quand vous avez des personnes clonées qui ont le même mode de pensée, issues du même groupe, qui décident de concevoir un produit ou résoudre un problème ou difficulté, si tout le monde pense pareil, vous n'aurez qu'un début du truc. Si vous avez des gens très différents, qui à l'aune de ce qu'ils sont, de ce qu'ils pensent et de leur histoire personnelle, vont aborder le sujet de la création du produit ou du fait de résoudre un problème ou difficulté, vous allez avoir un truc à 360 degrés, et là, vous aurez une vraie réponse.
pour ça que c'est la définition, je dirais, plus pragmatique que la richesse est une diversité. La diversité est une richesse, c'est intéressant. L'échange. À retenir pour une prochaine fois. Et donc voilà, donc cette question d'inclusion, elle est venue bien sûr toujours un peu du système anglo-saxon, mais fondamentalement, les entreprises aujourd'hui, pour des tas de raisons, ont besoin de montrer qu'elles sont clean sur l'acceptation et l'intégration effectivement de personnes qui ne sont pas forcément dans le moule et dans le même profil, et ça vaut pour tous les critères. Deuxièmement, la question de la marque employeur est importante. Les nouvelles générations qui demandent d'aller dans des boîtes ou des organisations qui sont clean et exemplaires, sinon elles iront ailleurs. Donc c'est un peu la guerre des talents. On peut en parler ici, chaque centure tenant compte du niveau de la maison. Ce n'est pas forcément la même problématique dans d'autres types d'organisations, et c'est pareil, la guerre des talents, évidemment, chez Orange. Et après, ça impacte la société. Je pense que Wissem en parlera encore bien mieux que moi, sur le fait qu'avant d'avoir des collaborateurs, on a des citoyens qui vote. C'est un sujet d'actualité, on le voit bien en ce moment, sur la déviance du débat autour des personnes soi-disant immigrées étrangères qui viennent sur notre sol national. Donc, ces personnes-là, on les fait évoluer, et l'entreprise est l'un des meilleurs vecteurs pour faire évoluer les individus. Et sur la question effectivement spécifique, qui relève du non-dit, de difficulté, on ne fera jamais l'unanimité sur ce sujet-là. Il y a des personnes qui ne seront jamais à l'aise avec l'idée que des hommes et des femmes aient pu se marier, puissent élever des enfants dans des couples de même sexe. Pour autant, on doit le respecter. Indépendamment de la loi, et c'est ce travail de pousser effectivement les curseurs que l'entreprise doit avoir en tant qu'employeur et de pousser la société de manière générale. Merci Catherine. Olivier, chez Accenture, un mot ? Alors, d'abord, quel beau témoignage toujours. J'écoute Catherine avec admiration parce que je pense que tu racontes très bien ce mouvement de société profond sur les 10-15 dernières années. Donc, moi, je vais apporter un angle différent parce que je ne saurais jamais le dire aussi bien que toi quand tu parles de la société. Je vais apporter un angle un peu plus business. C'est vrai qu'Accenture a une histoire sur ce sujet. Je veux toujours saluer ceux qui ont été les porte-drapeaux de l'inclusion LGBT dans l'entreprise, en particulier chez Accenture, dont je voulais saluer l'ami Christian, qui n'est peut-être pas connecté, et l'ami Jean-Marie Boutin, très certainement, parce qu'ils ont été essentiels dans notre histoire sur ce sujet-là. Moi, si je le regarde d'un point de vue business, pour essayer d'apporter un angle complémentaire à ce que vous avez toutes les deux très bien dit, nous, on est 560 000 dans le monde. On est une entreprise de talent. Le seul sujet pour nous, c'est le talent, l'énergie collective, et le bien-être au travail. Il y a des indicateurs dans le monde des services professionnels qui mesurent l'engagement, au sens anglais du terme, dans les entreprises de services professionnels. Si 70% de nos collaborateurs sont engagés, c'est-à-dire sont à l'aise, vivent dans un cadre ouvert, sont managés par des managers différents, par rapport à 50 ou 60%, il y a un impact sur le chiffre d'affaires immédiat. Donc c'est évidemment, cette question-là est une question de civilisation, de société, et c'est aussi une question business. Et tu as très bien parlé de l'innovation aussi. Je voudrais dire un tout petit mot sur ça, parce que nous, on est persuadés que chez Accenture, que le sujet business des 10 prochaines années, c'est l'innovation. Et l'innovation profonde, pas l'innovation de surface. Et l'innovation, ça ne se décrète pas. J'ai souvent coutume de dire ça ne se décrète pas, sinon on serait tous prix Nobel ici. Et donc on n'a pas la recette. En revanche, on a quelquefois les ingrédients. Et l'ingrédient numéro un, c'est la diversité. Parce qu'effectivement, quand on veut concevoir des produits pour le 21e siècle, moi je suis persuadé qu'on est en train de rentrer dans le 21e siècle en sortant du Covid, eh bien il faut énormément de diversité, toutes les diversités d'ailleurs, les diversités de métiers, d'âge, d'orientation sexuelle, de genre évidemment, pour être certain de s'approcher le plus près possible du Graal qu'est l'innovation et qui, encore une fois, ne se décrète jamais. Donc voilà, c'est un grand sujet pour nous, et même si on pourrait dire avec une certaine fierté, et on en est fier collectivement qu'on est présent sur ce sujet-là depuis une dizaine d'années, je pense qu'on a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire, et je vois ça comme un escalier qu'il faut monter en permanence, et chaque jour il y a des marches. On est sur les mêmes sujets que ce que vous avez cité, Christine, c'est-à-dire on est toujours sur la pédagogie, la formation, expliquer. Et ce que j'apprécie dans le travail qui est fait chez nous, c'est son côté extrêmement pratique. On veut donner des clés, on veut donner des guides, on veut apprendre aux gens à réagir dans certaines situations. Et je trouve que c'est une façon de progresser sur ces sujets-là qui me paraît pertinente. Merci Olivier. Alors Wissem, quand j'ai rappelé hier qu'on avait cette table ronde, j'ai dit juin c'est le mois des fiertés, puis c'est aussi le mois de l'Euro de foot. Alors vous avez été footballeur professionnel, vous avez joué au sein de l'équipe nationale de Tunisie, et puis vous avez compris aussi très tôt que vous étiez homosexuel. Alors, comment est-ce que vous évalueriez le milieu du sport, notamment le football, en termes d'inclusion des personnes LGBT ?
En fait, le football, c'est très paradoxal parce que c'est à la fois le sport le plus fédérateur. C'est-à-dire qu'on se rappelle. Et tout le monde était dans la rue, on est tous ensemble, et c'est aussi le sport qui exclut le plus, malheureusement. Donc voilà, moi, comme vous l'avez dit, j'ai été footballeur pendant pas mal d'années et j'ai jamais senti que j'étais. J'ai pas jamais pu donner mon maximum parce que j'ai toujours senti du coup que j'étais différent. Et que c'était clairement pas accepté dans le milieu. Et j'explique dans mon livre à quel point ça a été une source d'épuisement psychique, psychologique, nerveusement, de devoir porter un masque tous les jours. Et donc du coup, je pense que le football a beaucoup de progrès à faire de ce côté-là. On voit encore hier, hein, j'en parlais tout à l'heure rapidement, l'UEFA qui a décidé de refuser que le stade du Bayern Munich, l'Allianz Arena, soit illuminé aux couleurs LGBT en soutien aux populations LGBT en Hongrie, qui souffrent là-bas parce qu'apparemment on ne peut plus faire la promotion de tout ce qui est relié aux questions LGBT, comme si des influences extérieures ou environnementales pouvaient affecter l'orientation sexuelle de quelqu'un. Moi, pour ma part, j'ai grandi dans un environnement hétéronormé toute ma vie. Je suis quand même sorti gay. Donc, ça montre que c'est pas très cohérent. Mais donc, je pense que le football est clairement à la traîne, pour être un petit peu concis. Et du coup, je pense que ça part par les prises de parole, comme j'essaie de le faire, parce qu'on a besoin de visibilité. Il y a qu'un seul footballeur qui a fait son coming out en activité. Je lui rends hommage dans mon livre, c'est Justin Fashanu dans les années 90, qui, au suite de son coming out, se suicidera quelques années après que tout le monde l'ait laissé tomber. Et et le sport, c'est quand même censé être vecteur de plein de valeurs, de beaucoup de sagesse, de bienveillance, et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Enfin, ce n'est pas totalement le cas, donc beaucoup de travail à faire. Ouais. Mon masque fait quoi tomber, hein, désolé. Oui, le masque... Ça s'appelle bah, les masques. Voilà. Ouais. On en porte beaucoup de masques. Et vous le disiez, vous avez vécu dans un environnement hétéronormé, alors à la fois familial, sportif, d'un point de vue religieux, et pourtant, bah, voilà, vous êtes gay. Comment est-ce que vous l'avez appréhendé, les difficultés que vous avez vécues ? C'est-à-dire que moi, à un moment donné, dans ma vie, voilà, j'avais aucun exutoire, que ce soit dans mon sport, dans ma communauté religieuse, dans ma famille ou dans mon quartier du sud de la France, tout rejetait en bloc ce que j'étais. C'était à l'adolescence, hein, une phase qui est assez sensible dans le processus de construction de soi. Et donc, du coup, ça a été très compliqué pour moi de pouvoir donner mon maximum dans mon sport. J'aurais aimé pouvoir me focaliser uniquement sur ma performance footballistique, sauf que ce n'était pas possible. Et du coup, j'ai tenté, hein, j'ai mis en place tous les stratagèmes auxquels je pouvais penser pour changer ma sexualité, parce que je pensais que c'était possible à l'époque, quand on entend des gens dire, on l'a dit encore récemment à la télé, hein, je crois que c'était il y a quelques mois, je ne citerai pas son nom, mais un chroniqueur sur CNews qui disait « être homo, c'est un mode de vie, c'est un choix de vie ». Non, je pense que s'il y a une chose que mon livre prouve, c'est qu'on ne choisit pas sa sexualité comme je n'ai pas choisi ma couleur de peau, mon origine sociale ou la couleur de mes yeux. Donc à partir de là, où est la justice dans le fait de discriminer quelqu'un pour quelque chose qu'il ou qu'elle n'a pas choisi ? Ça n'a aucun sens. Et du coup, en fait, le fait que je veuille changer à ce point, ça m'a poussé à... Je me suis tourné vers ma religion, j'ai prié très fortement pendant très longtemps. On me disait que je n'avais pas encore rencontré la bonne, donc du coup j'ai enchaîné petite copine sur petite copine. Je suis resté plusieurs années avec l'une d'entre elles et j'ai réalisé à quel point je lui ai fait du mal, parce que pour le coup elle tombait vraiment amoureuse de moi, sauf que moi dans la mesure où je suis gay, je ne pouvais pas nourrir des sentiments amoureux pour elle. Et j'en suis même venu à faire des choses que je regretterai jusqu'au dernier jour de ma vie, c'est-à-dire qu'il existe encore en France des brigades anti-gays, où on peut se rejoindre et aller dans la rue pour intimider, parfois frapper d'autres personnes pour ce qu'elles sont. Et ça m'a fait d'autant plus mal, sachant que voilà, je savais que j'étais l'un d'entre eux. Et ce livre, c'est aussi un mea culpa dans ce sens-là, où, parce que ces garçons-là, je n'ai pas leur nom, je ne les connais pas, je ne peux pas m'excuser personne par personne, parce que je ne suis plus en contact, enfin, je n'ai jamais vraiment été en contact avec eux. Mais c'est aussi le moyen de montrer à quel point un ado isolé peut en venir à commettre des choses affreuses. Donc voilà. Merci. Et aujourd'hui, là, pour que ces environnements puissent évoluer,
Comment vous percevez votre rôle? Est-ce que vous pensez que c'est important qu'il y ait des gens qui soient visibles? Ah mais complètement, complètement. Enfin moi j'aurais tout donné à l'époque pour avoir un footballeur qui dise bah, « Tu sais Wissem, on peut être footballeur, on peut être gay, il n'y a pas de problème. » Et de toute façon en soi, l'orientation sexuelle n'a rien à voir avec la performance sportive d'un individu. Donc je pense que c'est beaucoup de représentation. Après moi ce que j'explique aussi, parce que j'ai été dans le monde du travail, du coup chez Veolia, j'ai bossé en tant qu'ingénieur consultant pendant plusieurs années. Et c'est aussi les alliés. Donc on parle souvent d'alliés ou d'alliés complices. Et moi, je pense que je suis persuadé qu'il n'y a pas tant d'homophobes que ça, au final. Il n'y a pas tant de personnes LGBTophobes que ça. Mais on a besoin de ces majorités silencieuses. Vous prenez un stade de foot, par exemple. Ben moi, je suis originaire d'Aix-en-Provence, le Vélodrome, je connais très bien. Et c'est souvent dans les deux virages qu'on entend des chants assez haineux. Sauf que les deux virages, ça représente quoi, 15-20% du stade. Et j'aimerais bien que les 80% de personnes autour bah, disent non, t'as pas besoin d'insulter les autres. Il y a d'autres leviers de motivation qu'on peut utiliser aujourd'hui, en 2021, pour motiver des troupes ou pour agacer son adversaire. Et je pense qu'il en va de même dans le monde du travail. Moi, je me rappelle, donc, chez Veolia, vous me dites si je dérive un peu trop, mais c'était, je voyais souvent voilà, des directeurs ou autres pour connecter avec moi. Ça va être que des discussions informelles, mais à la cafette, on se retrouve. Alors, avec les filles, ça devait y aller, non? Quand tu étais footballeur, blablabla. Et moi, j'étais super, super mal à l'aise parce que je voyais que l'intention était bonne. Le directeur souhaitait créer du lien avec moi, ce que j'apprécie, mais l'approche était tellement mauvaise. Enfin, je suis le plus jeune dans ma famille, j'ai 4 sœurs, je ne supporte pas les discours sexistes et encore moins les discours homophobes. Et ça, je me dis que ben, quand ça vient du top management, c'est compliqué parce qu'ensuite, quel message est-ce qu'on distille journée après journée chez ses employés? Donc c'est ce que j'essaie de combattre du coup avec ce bouquin et cette prise de parole, c'est vraiment, pour moi le sexisme et l'homophobie vont souvent de pair. Et donc du coup c'est un peu cette masculinité qu'on appelle toxique, ces choses un peu hétéronormées, toutes ces présuppositions. Moi toute ma vie on a présupposé que j'étais hétéro parce que très souvent on nous a vendu qu'une seule partie de l'homosexualité. Alors je pense que c'est génial, il y a eu des représentations dans les médias qui ont été top, qui ont permis de visibiliser les personnes LGBT. Il ne faut pas non plus réduire dans un carcan. Je pense que le spectre de la masculinité est aussi large chez les homos que chez les hétéros, etc. Merci, merci. C'est un super beau message. Et puis, moi, je retiens 3 choses. Là, je retiens la charge mentale de vivre masqué. Et ça, je pense que c'est très vrai dans le monde de l'entreprise aussi. Et c'est un sujet sur lequel on travaille. Le rôle des alliés. Clé parce que on a besoin de rassembler tout le monde et puis oui c'est ces petites phrases qui individuellement sont pas graves mais qui répétées peuvent faire mal et puis ne favorisent pas un environnement de travail inclusif. Non c'est ça, voilà, c'est toutes ces petites phrases qui créent des environnements au quotidien et qui rendent la tâche, vous parliez de performance tout à l'heure. Voilà, je ne pense pas avoir été un mauvais employé chez Veolia, mais je sais que j'aurais pu faire bien mieux si je m'étais senti bien dans mes baskets, si je ne me retrouvais pas un peu avec la boule au ventre à certaines réunions, ou quand je sais qu'on faisait les away days et que du coup ça allait drifter sur des questions un peu intimes et qu'il allait falloir se rappeler du nom de la copine que j'avais donnée la dernière fois, etc. etc. Ouais. Utiliser le bon pronom, etc. etc. Merci. Et Catherine, si on revient à l'entreprise... sur la base du témoignage de Wissem, vous voyez quoi comme prochain challenge à relever en termes d'inclusion des personnes LGBT? Alors, ça dépend si on se place du point de vue d'un grand groupe ou d'une structure de taille moyenne, mais il y a un vrai enjeu aujourd'hui de sortir des sièges de grandes boîtes à peu près normé, voilà, indépendamment d'Accenture, dans les étages de la défense, dans les tours, aux différents étages, globalement, le sujet est porté. Maintenant, la question, c'est de descendre sur le terrain. Quand on a des sites déconcentrés pour une administration, quand on a des filiales, des bureaux, quand on a des agents de recrutement, par exemple, c'est là où aujourd'hui, même s'il y a des règles qui sont édictées au niveau de la base, comment on fait en sorte effectivement qu'il y ait une corrélation entre ce qui se dit en haut et ce qui se vit sur le terrain? C'est la vraie question effectivement de l'application très concrète d'une politique RSE. Et puis surtout, comment on permet aux personnes qui sont un peu isolées de pouvoir activer et réagir? Donc, l'importance d'avoir des référents, comme libérer la parole. C'est génial quand on a un réseau interne, parce que ce réseau peut faire ce travail de liaison, et parce que vous avez beaucoup de gens. Je pense à Milou Benoda, qui est le DG de Barilla Europe du Sud. Il y a une usine, effectivement, de 800 ouvriers ouvrières.
c'est pas évident pour eux d'aller oser frapper à la porte des RH, un monde un petit peu lointain. Donc d'avoir un réseau interne ou des correspondants, ça va me libérer la parole. Donc voilà, il y a cet enjeu-là. Il y a un enjeu, il y a un enjeu plus global de la double ou triple discrimination. Wissem est déjà en plus, il s'appelle pas François, il s'appelle Wissem. Donc en plus, il devait dire qu'il était gay, ça faisait beaucoup. Et c'est la réalité, effectivement, quand on est porteur d'un critère discriminant, on fait partie des minorités visibles, ou le fait d'être femme et d'être effectivement lesbienne, on a aujourd'hui, on le voit bien dans notre cercle, dans notre baromètre, dans nos sondages et nos enquêtes, c'est qu'il y a un différentiel de visibilité entre les gays et les lesbiennes. Parce qu'il faut se battre en tant que femme souvent, dans un environnement un peu concurrentiel, c'est plus compliqué, donc on ne mélange pas. Donc ça, c'est le point, effectivement, des doubles discriminations qui est un sujet. L'autre sujet, c'est surtout de déconstruire l'image. Wissem l'a bien dit aussi tout à l'heure, la question effectivement de la virilité, de la force, qui fait qu'on a souvent une espèce de sentiment, on peut être discriminant un peu de manière systémique sans vouloir faire mal. On ne va pas lui confier le job parce que lui, il a un problème de handicap, il ne va jamais tenir. Elle, comment elle va faire avec ses trois mots en bas âge qui va garder les enfants et le gars, effectivement, le gars hétéro, enfin, le gars homo, lui, il ne va jamais réussir à s'imposer auprès des troupes. Donc, on ne va pas donner la promotion pensant que ça va être compliqué. Partons du principe que quand quelqu'un, effectivement, candidate et qu'il a des singularités qui peuvent ne pas être forcément simples dans son job, si il ou elle candidate, c'est qu'il ou elle pense évidemment qu'il est capable pour le job. Donc, il faut contraire soutenir ça. Le challenge, effectivement, c'est sortir des endroits policés, bien organisés, et d'être intraitable sur des comportements inappropriés. On est capable aujourd'hui, dans beaucoup d'organisations, d'avoir une politique volontariste, inclusive, monter des événements, favoriser l'émergence d'un réseau interne, très bien. Mais comment sait-on sanctionner des comportements discriminants ? Est-ce qu'on est capable de convoquer pour un licenciement, pour un entretien préalable, un éventuel licenciement, quelqu'un effectivement qui est un super chef de vente, qui est un super commercial, qui dépote en matière de business, hein, ça rejoint ce que tu disais Olivier tout à l'heure, sur à un moment donné le business, est-ce qu'on va le perdre ou pas ? Qu'est-ce qu'on fait avec un gros client qui a un comportement inapproprié vis-à-vis d'un consultant de l'équipe ? On change le consultant de manière à ce qu'évidemment le protéger et puis on garde le client ? Ou est-ce qu'on recadre le client ? Je me souviens au tout début, parmi les tout premiers signataires, que je ne citerai pas par correction, mais le DG de l'époque m'avait dit, bah, tu sais, voilà, on a eu sur un site dans le Nord, comportement inapproprié de l'équipe de direction, on a viré les deux. J'ai quand même tiré un trait sur 6 mois de chiffre d'affaires. Voilà, jusqu'où on est capable d'aller pour être en cohérence sur l'application de sanctions réelles, le faire savoir. Quand je me souviens d'avoir accompagné un dossier extrêmement lourd d'un fonctionnaire dans une grande administration, très très grande administration, le fait, alors c'était 3 ans accompagné par la halte, c'était très très lourd et très très long, mais lorsqu'effectivement le directeur du service à haut niveau partait à la retraite, généralement 6 mois avant la fin, on échange de catégorie, et puis voilà, on fait le grand pot d'honneur et tout, on a bloqué effectivement cette augmentation de 6 mois avant la retraite, ça s'est su. Donc ça s'est su en interne au plus haut niveau de la hiérarchie que, alors bien sûr, c'est parce que la halte avait été très loin, le dossier avait été très lourd, porté depuis longtemps, et qui c'était un cas très emblématique à l'époque. Mais voilà, la question de la sanction est importante et on ne sait pas forcément le faire. Et puis, faire émerger des rôles modèles. Hein, c'est un des sujets de notre sac depuis longtemps. C'est que nous connaissons, nous, hein, des dirigeants de très haut niveau, des présidents de directoire, des DG de grandes boîtes, des gens effectivement qui ont fait des très belles carrières pour qui, en plus, ça se sait auprès du board, voire même si on regarde leur profil Facebook ou autre. Et quand on demande à ces dirigeants de très haut niveau, s'ils écoutent, ils entendront mon agacement qui est teinté effectivement d'un fort sentiment de manque de fraternité de leur part, parce que c'est plutôt une problématique des gays aujourd'hui que des lesbiennes, qui sont pour le coup souvent moins visibles, et j'en pense à une en particulier. Mais c'est un manque de fraternité de se dire qu'on laisse, on ne veut pas l'assumer en public, on ne veut pas le raconter à cause de la famille et compagnie, à ce niveau, à cet âge, ce n'est plus un sujet. Donc on a besoin de rôle modèle, on a besoin de voir des femmes patronnes, on a besoin de voir des hommes et des femmes avec un bras en moins, on a besoin de voir des gays, des lesbiennes, des personnes trans. On a peu de personnes trans aujourd'hui, hein, on a un souvenir précis, on l'a cité, parce qu'ils ne souhaitent pas effectivement, et elles ne souhaitent pas par rapport à sa famille, c'est pour ça que les deux pronoms fonctionnent. Mais on n'a pas beaucoup effectivement, de cas de personnes qui ont fait leur transition à haut niveau et qui peuvent être recrutées en la matière. Donc il y a quand même une déconstruction des stéréotypes dans la fabrication de nos élites en France, qui est un vrai enjeu. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs on a lancé, on va être en train de décliner la charte d'engagement LGBT+ de l'autre cercle pour l'enseignement supérieur, afin que ça réponde aussi bien aux problématiques des enseignants, du personnel, de l'établissement concerné, mais également des étudiantes et étudiants. Et avec, en partenariat avec la FAGE et le CAILIF. Et ces enjeux-là sont extrêmement importants. Après, il faut descendre en dehors des grands groupes.
c'est aussi leur partie prenante. Vous avez des clients, vous avez des fournisseurs, vous avez des prestataires. C'est tous les réseaux des PME, des ETI en France qu'il faut réussir à convaincre par des fédérations professionnelles et autres. Et on a besoin de l'appui, effectivement, de nous 165 aujourd'hui signataires. Merci, merci Catherine. Christine, Olivier, dans les grands groupes, cette question de l'authenticité, comment vous la percevez ? J'ai 4 heures, c'est ça ? Alors, moi, j'y ai réfléchi quand j'ai été contactée pour prendre la parole. Je suis dans une division chez Orange qui s'occupe d'innovation, de recherche et développement. Et notre motto, c'est préparer le futur et construire le présent. Et je trouve que même pour le sujet qu'on est en train d'aborder aujourd'hui, ça convient très bien. Je ne vais pas quitter la dimension humaine parce que c'est notre capital premier et je ne vais pas refaire le discours d'Olivier auquel j'adhère complètement sur la problématique de la performance et comment quand on est bien et certainement du coup authentique, on va apporter toute sa valeur en fonction de sa personnalité, qui qu'on soit à l'entreprise. Mais ce que je voudrais aborder, c'est que on voit aujourd'hui, vous parliez du 21e siècle, que les technologies vont prendre une grande part aujourd'hui dans nos vies d'humains. Et donc, nous, le sujet qu'on est en train de traiter aujourd'hui et qui, à mon sens, est crucial, alors qu'il est encadré aujourd'hui par des chartes, une charte sur l'intelligence artificielle, parce que c'est important, tous les développements, de prêter attention à ce qu'il n'y ait pas de discrimination. On a été la première entreprise labellisée dans un GIS, tout ce qui est... autour de l'égalité professionnelle homme-femme, mais aussi sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on a un vrai sujet, c'est dans tout ce qu'on va entreprendre et les applicatifs qui vont être nos béquilles, nos accélérateurs de transformation dans nos vies, comment est-ce qu'on s'assure à la fois dans les personnes que l'on va recruter et qui travaillent sur ces sujets-là, mais à la fois vers les clients qui seront bénéficiaires avec les parties prenantes, que dès la conception des développements et des produits, il n'y a pas de discrimination. L'intelligence artificielle, c'est une manière de reproduire des émotions, notamment plein d'autres choses, mais c'est pour ça que j'associe ça à l'authenticité, c'est-à-dire que comment est-ce que quand moi je vais utiliser par exemple une application de matching entre mes compétences et une entreprise qui recrute avec un poste sur des offres d'emploi, comment est-ce que dans l'association des mots pour aller très très vite pour trier les CV par exemple, je vais faire en sorte qu'il n'y ait pas de biais. J'ai rencontré il n'y a pas très longtemps à Vivatech une personne qui échangeait avec moi qui disait nous c'est pas difficile, dans ce qu'on développe aujourd'hui, on retire le genre, on retire le nom, le prénom, on va retirer la localisation géographique, on va retirer les hobbies, et puis il m'en manque un cinquième. Mais pour dire que il y a une vraie nécessité pour que ce monde qui va se développer avec de plus en plus de technologies demain, et on parle beaucoup de l'intelligence artificielle aujourd'hui, mais c'est pour ça qu'on construit aujourd'hui pour préparer demain, puisse être absolument précautionneux et intraitable sur la problématique des discriminations ou de la non-discrimination dans ce qu'on va travailler. Donc aujourd'hui, nous, on se mobilise pour ça, notamment dans les recrutements que l'on fait sur ces métiers-là. Pour engager nos salariés aussi, on développe beaucoup d'accompagnement autour de modules, d'e-learning, etc., sur la sensibilisation à l'IA, à l'intelligence artificielle, pour qu'on comprenne bien ces enjeux, et puis aussi à toute la problématique de la génération des stéréotypes, de la prise de conscience autour de ça, etc. J'aurais pu rebondir sur 1000 sujets qui ont été traités par Wissem ou Catherine ou Olivier, mais bon voilà, je sais que le temps est réduit, mais je voulais juste faire ce focus parce que c'est notre ADN
d'entreprise, il y a beaucoup d'autres sujets, mais je crois qu'on a une responsabilité pour renforcer la confiance de nos salariés, de nos clients et des parties prenantes dans tous ces nouveaux développements demain pour que je puisse continuer à être moi-même et que les usages que je ferai avec un certain nombre d'applications me permettent de rester authentique, justement. Cette question de la confiance dans les intelligences artificielles et comment la technologie peut aider et non pas être un... Et juste un dernier mot peut-être, c'est que, Oussam disait tout à l'heure, moi j'ai été victime d'un certain nombre de choses. Je pense que fondamentalement, c'est quand vous avez parlé des virages et de ces 15% de personnes peut-être malveillantes ou irrespectueuses, je pense que fondamentalement, le respect, il est en nous vis-à-vis de l'autre, mais que le sujet, c'est bien souvent par méconnaissance qu'il va y avoir des dérives et des débordements. Donc je crois aussi que sur tous ces sujets-là, qu'on appelle des soft skills, ce qui est très très important, c'est vraiment d'accompagner, notamment nous dans l'entreprise chez Orange, nos salariés. Je sais que chez Orange Innovation, dans la division où je suis, on a plus de 45% de nos salariés qui ont été formés au sexisme, à l'égalité professionnelle, parce que ça commence par là, pour être engagé et bien dans un collectif ensuite, pour travailler dans les meilleures conditions. Merci. Merci Christine. Alors, je suis pas sûre. Olivier. Ouais, j'ai plus grand chose à rajouter. Tout a été très très bien dit. Alors, en tout cas, merci Wissem pour vos mots qui sont, je trouve, d'une force incroyable. Et garder absolument cette image de la charge mentale qui empêche de libérer la performance. C'est quand même... Je trouve très fort quand merci pour ce témoignage. Il faut que je mette mon micro là si on veut que je m'entende. Qu'on m'entende. Moi, je voudrais citer deux points que j'ai sous les yeux. On a fait une étude, je ne sais plus de quand date cette étude d'ailleurs, Stéphanie, mais on a fait une étude et il y a deux points que j'ai trouvés en relief par rapport à ta question. Le premier se dit très simplement, le conformisme ne crée pas de sentiment d'appartenance dans l'entreprise. Et je trouve que ça, c'est intéressant. Il faut qu'on se le répète aussi souvent. C'est bien sûr l'authenticité. L'identité de chacun dans un cadre qui permette de s'épanouir professionnellement, qui sera un vecteur d'engagement. Donc le conformisme ne crée pas de sentiment d'appartenance, c'est une phrase toute simple, mais qui dit beaucoup de choses. La deuxième chose, c'est on aura une vision positive de l'inclusion, elle sera renforcée si dans notre carrière, on est managé plus souvent par des managers d'origine diverse, de toutes les diversités d'ailleurs, sociales aussi, et âge aussi d'ailleurs. Donc ça aussi, je trouve ça important, et ça c'est un défi pour nous, pour Accenture, parce qu'à nouveau, avec plein de modestie, si je regarde notre histoire à nous, dans les métiers du conseil, on a longtemps été des experts, un peu comme moi, des hommes en costume, des men in black, et on a un travail formidable à faire, passionnant pour faire évoluer cette image-là. Parce que si je veux être en adéquation avec ce qu'on a dit tous autour du pouvoir de l'innovation, du besoin d'innover de nos clients et pour nous-mêmes, il faut qu'on soit différent de ce point de vue-là. Moi, j'ai besoin de ce que j'appelle de manager de diversité, de manager de la diversité, d'orchestrateur de la diversité. J'ai toujours besoin des experts, des sachants, et on peut être les deux à la fois, évidemment, mais j'ai besoin de me développer dans ces talents-là. Et notre dernière campagne de recrutement, quand vous regardez toutes nos campagnes de recrutement historiques, elles étaient toujours c'est presque techniquement, je cherche des talents de cette nature-là. Aujourd'hui, notre campagne qui est toute nouvelle, elle s'appelle Be a Change Maker. Et elle est bien représentative d'une évolution, comme on a vu, on n'est pas les seuls à incarner, où on passe d'un univers plus technique, je dirais, à un univers plus large, plus axé sur la diversité, parce que être un agent du changement, être un créateur du changement, être un orchestrateur du changement, c'est tout à fait autre chose par rapport à je cherche tel et tel et tel talent. Et c'est pas une façon de dire qu'on en a plus besoin non plus, on a besoin de l'ensemble des deux. Et voilà, donc c'est un grand chemin. Quand j'avais envie de réagir aussi, Catherine, sur ce que tu disais, sur ça a été un combat dans ces 10 dernières années sur le sujet homme-femme, l'omniprésent du vocabulaire quelquefois un peu militaire, tu as utilisé le mot troupe, dans la façon d'évaluer la performance de tout un chacun, c'est incroyable. Et même encore aujourd'hui, si on reste modeste, on est toujours en train de valoriser la force, l'engagement, le commando. Et donc, il faut qu'on fasse attention aux dérives que peut porter ces qualificatifs quand on évalue les performances de tout un chacun. Merci Olivier. Merci à tous. Alors, je crois qu'on a peut-être quelques questions.
Je sais pas si... Oui, tout à fait. Alors déjà, pour commencer, on a plusieurs personnes qui saluent le courage de Wissem. Je pense que c'est important de vous le signifier. On a une question également pour vous. Avez-vous la possibilité de témoigner auprès des centres de formation de foot, donc auprès des jeunes, ou est-ce que finalement le milieu reste malheureusement très fermé? Pour ceux qui ont suivi un peu mes interventions médiatiques récemment, vous avez vu que je suis rentré un peu dans un, pour utiliser un mot du champ lexical militaire, un combat avec la Fédération française de football qui ne m'a toujours pas sollicité. Mais par contre, ce qui est génial, c'est que les clubs de foot, eux, s'organisent. Donc en fait, voilà, les présidents, j'ai rencontré le président du Toulouse Football Club la semaine dernière, ça s'est ultra bien passé. Et donc du coup, moi, maintenant, j'ai un organisme de formation professionnelle où voilà, j'interviens déjà auprès des footballeurs professionnels et maintenant, je vais le faire du coup avec des jeunes en centre de formation. Donc il y a différents clubs qui m'ont sollicité déjà. Je serai à l'AS Monaco en septembre. Il y a l'Olympique Lyonnais, Amiens, Toulouse. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait une cohérence dans les interventions, que ce soit un peu plus centralisé par, au final, les institutions sportives qui doivent donner le ton. Donc pour l'instant, voilà, ça va se faire de manière un petit peu, bon, on va bien le faire, hein, mais un peu désorganisée, les clubs qui me solliciteront. Mais idéalement, dans quelques temps, ben, voilà, on aura une approche homogène sur le sujet, parce que voilà, ces jeunes en centre de formation deviendront après des stars de Ligue 1, en équipe de France, deviendront, on parlait de role model tout à l'heure, ben, c'est des joueurs qui vont avoir des millions de followers sur Instagram. Et ce qui est important, ce qu'il faut comprendre, c'est que la portée de leurs mots porte en France. Si Kylian Mbappé demain se teint les cheveux en violet, je descends dans Paris, je verrai plein de jeunes avec des cheveux violets. Donc si ces stars de l'équipe de France pouvaient avoir ne serait-ce que quelques paroles inclusives de temps en temps, ben, ça ferait beaucoup de bien à beaucoup de monde. Voilà. Le violet, c'est la couleur d'Accenture. Voilà, et du Toulouse Football Club. C'est vrai, j'ai pas entendu orange, je pensais qu'il y a les cheveux en orange, mais non. L'arc-en-ciel, bon, voilà. Ça fait partie aussi de l'arc-en-ciel. Je vous propose une dernière question, peut-être pour Christine. Quel conseil donneriez-vous à des personnes qui n'osent pas s'affirmer en milieu professionnel? Chez nous, on a toujours dans ce baromètre salarié... On a 50%, presque, pratiquement 50% de nos salariés qui disent qu'ils conseilleraient à un salarié dans notre entreprise d'assumer ou de dire qu'il est homosexuel et qu'il ne faut pas qu'il en ait peur. Donc ça veut dire une personne sur deux. Donc on voit le verre à moitié plein ou à moitié vide, chacun décide. Mais le conseil que je lui donnerais, je pense qu'avant tout, nous, dans notre responsabilité d'entreprise, c'est accompagner nos managers pour pouvoir faire en sorte que le collectif qu'il ou elle pilote puisse se sentir en confiance. Je réponds en creux, je suis désolée, parce que je comprends bien, mais je pense que pour que ça puisse se faire, il faut absolument que ce ou cette salariée, elle sente, c'est une question de alors là je pense de perception, hein, que dans le collectif où elle se trouve, elle peut aller progressivement plus loin, vous parliez des awareness, etc., et partager. Donc moi je pense que notre devoir à nous d'entreprise, c'est tout faire pour que ceux qui pilotent, les managers, les chefs de projet, ceux qui gèrent des équipes, permettent l'expression de l'authenticité, justement, de cette permettre cette confiance. On a mis en place des formations chez nous pour gérer tout ce qui était stéréotypes, etc. Et je souhaite que progressivement, on est sur des indicateurs. On a décidé de mettre en place des indicateurs sur ces sujets-là. On a dit, voilà, on a des objectifs. Même si nos managers sont très pris par le business, la productivité, etc., il est important pour nous qu'ils puissent consacrer du temps aussi à se former sur cette dimension-là de l'accompagnement de chacun, finalement, et de permettre cette confiance. Donc j'espère ne pas décevoir en répondant ça, mais notre responsabilité à nous, pour que cette personne se sente à l'aise et puisse échanger et peut-être exprimer son homosexualité dans l'entreprise, puisque ce sera son choix de toute façon, c'est qu'on
propose un environnement de confiance. Alors, c'est vrai que il y a beaucoup de sujets qu'on aurait pu aborder, mais on travaille aussi en étroite collaboration avec notre association interne qui s'appelle Mobilise-nous, qui a été créée en 2008 hein, et qui rassemble les salariés LGBT et les alliés. Et c'est vrai qu'on met en place un certain nombre d'actions avec eux, avec leur soutien. On a mis en place un guide LGBT, par exemple, hein, qui est accessible de tous les salariés. Et sur lesquels on précise que l'ensemble des droits dont nos salariés bénéficient, notamment sur tout ce qui est parentalité, etc., est accessible à tous. Donc effectivement, merci Catherine de me le souffler, parce que c'est vrai que tu les connais bien, mais ils savent aussi qu'ils peuvent se rapprocher de cette association qui parfois joue les intermédiaires entre la direction de la diversité, un manager, et qui vont aller faciliter les échanges quand il y a des situations particulières qu'il faut traiter. Par exemple, moi j'ai eu l'occasion d'être sollicitée par Mobilise-nous parce qu'il y avait une personne qui entamait une transition de genre et elle voulait savoir, c'était il y a plusieurs années déjà, comment est-ce qu'on allait pouvoir l'accompagner sur des choses très bêtes, mais il faut faire évoluer le SI, il faut faire évoluer un certain nombre de choses. C'était des choses assez nouvelles pour l'entreprise et Mobilise-nous a joué un grand rôle. Donc il y a aussi des interlocuteurs vers lesquels on peut aller au-delà du manager, etc., quand on a besoin de se sentir accompagné pour être soi-même encore plus. Je voulais, c'est pas directement ce que tu as dit, Christine, mais la cohérence effectivement d'une marque, c'est important les marques parce qu'elles ont un rôle très fort à jouer auprès des consommateurs. Et ce que disait Wissam tout à l'heure, moi je voudrais juste rappeler que au moment de Paris 2018, qui était les Gay Games, et je salue Manuel Picot et Pascal Le Rinteau, les deux coprésidents, coprésidentes de la Fondation Fière, il n'y a pas eu un équipementier sportif qui a été sponsor de Paris 2018. Enfin, ces mêmes équipementiers sportifs, qui sont des grandes marques, qui sont sponsors des sujets LGBT, des Pride dans d'autres pays. Et donc là, on a un problème de cohérence entre ce que l'on affirme, ce que l'on dit avoir sur un plan global mondial, soutenir les normes de conduite de l'ONU, que nous-mêmes, nous avons contribué au niveau de la France avec un certain nombre d'entreprises engagées, dont Orange, dont Accenture d'ailleurs, pour permettre ces normes de conduite, et puis l'application effectivement dans les pays. On est en France, on n'est pas en Pologne, on n'est pas en Hongrie. Donc à un moment donné, il faut aussi la responsabilité des grands groupes d'être en cohérence sur leur marque. Ce que je dis n'est pas forcément très très gentil, mais en tout cas, c'est un signe que j'envoie très fort, parce que, une fois encore, je vais le raccorder sur les générations, la question de l'engagement des salariés, les jeunes encore plus, mais les générations même d'âge divers, c'est que si vous voulez effectivement que les salariés se sentent engagés, se sentent solidaires de leur employeur, il faut à un moment donné apporter des preuves. Comme disait Adil Bézal, le DRH de Nestlé, c'est à nous d'apporter des preuves. Donc à un moment donné, il faut apporter des preuves. Et en l'occurrence, dans le monde sportif, si les équipementiers qui ont un grand rôle auprès justement des sportifs pouvaient effectivement être un peu plus acteurs, ça aurait quand même du sens. Sachant que l'UEFA, enfin, ne soyons pas naïfs, l'ensemble des instances du monde du foot ne savent pas ou ne veulent pas gérer leurs supporters. Ce qui aboutit effectivement à une espèce de nébuleuse et on ne va pas logotiser effectivement le Stade de Munich sur un événement sur lequel pourtant les sportifs et footballeurs hétéros eux-mêmes sont des soutiens. Entièrement d'accord. Avec moi. Je veux bien, je ne suis pas très bonne dans les buts, mais je peux passer les balles. Eh ben merci beaucoup à tous les quatre pour cette discussion très intéressante. Alors vous l'avez tous dit, parler aux jeunes, et c'est important, leur montrer qui peuvent être eux-mêmes en entreprise et probablement aussi quelque chose de clé. Donc on a travaillé dans les mois qui ont précédé à un concours avec les étudiants et j'ai passé la parole à Moïse pour la remise du prix des fiertés. Merci Stéphanie. Alors effectivement, je vais d'abord me présenter. Je suis Moïse Gani, je suis manager au sein des activités stratégie et consulting chez Accenture France. J'évolue principalement sur secteur de la banque de détail. Et en parallèle de cela, je suis responsable du programme Inclusion et diversité LGBT pour la France. Et avec toute l'équipe,
Nous avons mené un certain nombre d'actions, de sensibilisation en interne, mais également de partage de bonnes pratiques et de visibilité auprès de nos clients et de nos partenaires. Et dans la dernière catégorie des actions, nous avons mené aussi des actions de visibilité auprès des étudiants, auprès des écoles. Et parmi ces actions, nous avons pu lancer un prix des fiertés. Le prix des fiertés, ça consiste en quoi? L'idée, c'était d'appeler les associations LGBT et ou diversité des écoles et des universités pour finalement développer un projet qui permettait de promouvoir l'inclusion et la diversité LGBT en milieu professionnel ou en milieu étudiantin, et avec à la clé une bourse de 2 500 €. Alors, nous avons eu pas mal de projets, ça a été un peu difficile de les départager, mais on a réussi à le faire et on en a choisi deux. Et je vais laisser du coup Stéphanie présenter les prix. Effectivement, on a deux projets là qui ont particulièrement retenu notre attention, parce que d'une part, ils étaient très documentés. Alors, on a parlé intelligence artificielle et on parle data. Ils avaient des data, ils avaient fait des études. Et c'était très intéressant de voir ce qui ressortait de leur vie quotidienne. Et puis, ce sont deux projets très engagés. Donc, le premier, c'est le projet de EDEC Business School et qui s'appelle RISE. Et puis, le deuxième, c'est le projet de l'EM Lyon avec un projet d'association qui s'appelle Embrace. Alors, les deux sont autour de diversité LGBTQ+. Alors, un grand bravo aux deux équipes qui ont travaillé, qui nous ont inspirés par leur projet, qui nous ont aussi donné beaucoup de fierté quand on les a vus. Et je crois qu'on a un petit témoignage des deux associations. Un témoignage bonjour à tous. Mixé. Nous voulons vous dire que nous sommes très heureux que notre association RISE ait remporté le prix des fiertés Accenture de l'édition 2021 avec la mention félicitations du jury. Nous voulons remercier Accenture et l'autre cercle pour l'intérêt et le soutien manifesté à notre projet. Notre association est jeune et le soutien apporté par Accenture est crucial dans l'organisation de notre Pride Week dès la rentrée prochaine, la médiatisation de notre association et de nos futurs événements. C'est un privilège pour nous de bénéficier du soutien d'Accenture et de l'expertise et de son professionnalisme pour développer RISE. Cela nous permettra de faire de RISE un acteur de référence pour l'inclusion des personnes LGBT+, dans le milieu étudiant et dans le monde professionnel. Merci à vous tous pour votre soutien. Bonjour, je m'appelle Arnaud Sperry, je suis étudiant à EM Lyon Business School et je suis aussi le président et un des membres fondateurs de Embrace. Au nom des 28 membres de Embrace, j'aimerais remercier Accenture de nous avoir permis de remporter le prix des fiertés 2021. Ce prix va nous permettre d'organiser un événement qui nous tient vraiment à cœur et qui est une LGBTQ+ Week. C'est un événement qui prendra la forme d'une semaine au cours duquel de nombreux autres événements associatifs seront organisés afin de sensibiliser les étudiants de l'école sur des sujets en lien avec la communauté LGBTQ+. Merci beaucoup. Donc on arrive à la fin de cet événement. Moi, je tenais à remercier toute l'équipe organisatrice, l'équipe Inclusion et Diversité, Elodie, Chloé, le groupe LGBTQ+, Accenture, et puis surtout Moïse, qui n'a pas compté ses efforts. Merci pour ton engagement, ton investissement pour organiser cette conférence. Elle sera disponible en replay très vite sur la chaîne YouTube Accenture. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci à vous, merci de nous avoir suivis durant cet événement. Je remercie également nos invités. Ça a été un plaisir, sincèrement, de vous avoir aujourd'hui avec nous. Oui, je me vois déjà à la fin de la journée. Mais dans tous les cas, merci beaucoup. Et j'espère qu'on pourra refaire ça l'année prochaine. Et on vous retrouvera l'année prochaine pour ce genre d'événement. Merci, au revoir.